Moi, je crois qu'une radio publique, elle devrait faire modèle de ce qui pourrait être valable pour nos institutions plus généralement, c'est-à-dire administrée par une assemblée ou un comité populaire, révocable tous les ans, révoqué tous les ans, changé absolument, réélu, voilà, qui serait dépositaire de ce qui serait considéré à un moment M comme l'intérêt public, ce qui serait intéressant. En gros, dont le but serait quoi, de faire quoi ? Ce qu'on appelait l'éducation populaire, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc de l'éducation politique. Mais ça, ce qui nécessiterait une absolue indépendance par rapport à l'État, en fait. Il faudrait que la télé publique soit indépendante de l'État. C'est ça. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, le public, c'est l'État. Mais non, le public, c'est pas l'État. Le public, c'est ce qui appartient à tous. C'est ce qui est la chose publique. La chose publique, elle doit être absolument découplée de l'État. Même si l'État peut en être le financier en tant que c'est lui qui prélève l'impôt. Mais donc, c'est lui qui peut éventuellement alimenter la machine. Ce qui crée quand même un système de dépendance. Mais moi, je rêverais, je pense que ça doit exister dans le monde, tu le sais peut-être mieux que moi, mais je rêverais d'une assemblée populaire qui administrerait France Inter.